Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Il y a des merveilles, donc c'est parti, on va pas perdre de temps parce qu'il fait déjà chaud. J'ai allumé les petites lumières pour que vous puissiez bien voir. Pour cette première tenue, elle est trop belle. C'est la chemise oversize que vous avez eue il y a 15 jours, je crois, en léopard classique. Vous avez été très nombreuses à me redemander un réassort sur les léopards. Pour l'instant, il n'y en a plus du tout. En revanche, ils l'ont sortie en bleu. Elle est magnifique. C'est exactement le même modèle, donc très oversize. Imprimé léopard, coloris bleu. On est sur un joli bleu. Je pense que oui, vous avez exactement la bonne couleur. Elle est très oversize, rappelez-vous. Voilà, on a de la place, hein. Je l'ai rentré dans le pantalon. D'ailleurs, c'est un nouveau pantalon. Alors, il est un peu petit pour moi. Le pantalon ira jusqu'à un 52 max. Vous allez le voir, je suis assez serrée à l'intérieur. Même si je suis pas serrée dans le sens où je suis pas bien. Parce qu'il est très agréable à porter. Oui, il est élastique. Ça, c'est un pantalon de chez C-Melody. Vous savez que j'adore les coupes de chez C-Melody. Il fait vraiment des pièces hyper confortables pour les rondes, on est vraiment très bien dedans. Vous voyez comment il est vraiment magnifique. Mais c'est que ma bouée en fait ne rentre pas. Voilà, c'est une taille élastique. Moi, pour rappel, j'aurais peut-être dû commencer par là. Je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut et un 54-56 en bas. Donc ça, c'est une taille unique qui va d'un 46 à un 52. Voilà. Mais pas 54-56, sinon bah après ça peut peut-être aller, mais moi ma bouée ne rentre pas, hein. Clairement c'est pas possible. Il est magnifique ce pantalon simili-cuir, parfait pour la saison, là l'automne-hiver c'est très tendance. Vous avez des poches et le détail qui fait toute la différence, c'est le petit nœud sur le devant, donc il n'y a pas de bouton. Il est élastique et vous avez juste un petit nœud à nouer, il est parfait. Porté avec une petite chemise oversize léopard, c'est canon. Donc voilà, cette chemise, c'est à partir d'un 50-52 jusqu'à un 56-58. C'est les chemises que je vous ai présentées en effet soie, vous savez, blanche, noire. Pareil, celle-ci, je les ai plus. La noire, je ne l'ai plus. J'arrive pas à avoir de réassort dessus pour le moment. Mais voilà, ça, c'est vraiment des chemises très oversize. Parfaites quand vous voulez être bien dans votre tenue. Mais très stylée. Elle est longue, vous avez vu. Et quand vous l'enlevez, voilà. C'est très joli. Et là, j'avais ajouté un petit gilet qui va parfaitement avec cette petite chemise. C'est un gilet, c'est de la nouvelle collection de chez April Vintage. C'est des gilets qui sont comme les gilets April. Et vous allez voir la différence. Mais alors, attendez, je vais vous le montrer après. Mais en résumé, c'est un gilet, alors, d'une douceur, je vous explique même pas. Je ne sais pas si vous verrez, la couleur est sublime. Et en fait, la matière est incroyable. Elle est toute douce, elle est élastiquée. Donc vous êtes hyper bien dedans dans ces gilets. Je les ai pris en plein de couleurs et en fait ils ont des étoiles dans le dos, mais des étoiles un peu en relief, c'est trop beau. Je vais vous montrer sur le fuchsia comment ça donne, parce que là j'arriverai pas à vous montrer le dos. Donc là je l'ai assorti à la chemise léopard, mais bien évidemment cette chemise vous pouvez également la mettre avec un gilet tout noir. D'ailleurs j'ai fait un réassort, enfin que je vous mets en ligne aujourd'hui, des gilets tout noirs, je vais vous montrer après, qui iraient très bien aussi avec, hein. Et donc voilà, l'étoile en relief, elle est trop jolie. Donc vous avez le détail de l'étoile en relief dans le dos de tous les gilets là, que je viens de vous faire rentrer dans la nouvelle collection. Ils sont longs, ils sont tellement doux, tellement agréables à porter. Vraiment, c'est une merveille. Ils sont pas serrés. Voyez la maille. Hop, vous avez l'emmanchure qui est assez basse, donc vous n'êtes pas serré à ce niveau-là. Enfin, vraiment, c'est des petites merveilles. Celui-ci, je dirais qu'il est couleur plutôt bleu jean. Donc, clairement, à porter sur le simili-cuir, c'est parfait. Mais à porter aussi sur un jean, c'est trop beau. Un jean, un pantalon blanc, enfin... Il y a plein de possibilités. Et c'est le genre de petit gilet que vous serez très heureuse d'avoir en soirée cet été ou cet automne. Vous savez, le matin, il fait relativement frais. On met un petit gilet, une petite tenue. En journée, on enlève le gilet, on se retrouve avec notre petite chemise oversize, donc hyper agréable à porter. Voilà, j'ai mis des sandales, hein, mais franchement, des petites bottines, ça serait encore plus joli. Des Converse noires, ce serait canon aussi. Il y a tellement de possibilités vraiment pour ces tenues, moi je les adore. C'est vraiment des petites merveilles. Et donc le réassort que je fais, c'est sur ce gilet-là. Donc le gilet long noir qui est en rupture, que vous avez été nombreuses à me redemander. Avec la petite fente sur le côté qui se porte avec toutes les tenues, hein, clairement vous avez vu.
est très agréable, très fluide. Et celui-ci, je vous l'ai pris en deux nouvelles couleurs. C'est super joli aussi comme ça. Bon, faut absolument que je vous montre le simili cuir non porté. Alors ça, c'est celui que je viens de porter, donc il est un peu étendu. Clairement, c'est, je vais pas vous le mettre en mode, on est bien d'accord, celui-ci. Vu que je l'ai porté agrandi, comme d'habitude, je le garde. Et voilà, vous puissiez vous rendre compte du petit nœud devant et de la forme du pantalon, qui est très très beau. De toute façon, le simili cuir, c'est clairement une pièce à avoir dans son dressing. Bon, gros coup de cœur, mais alors gros coup de cœur sur ma tenue. Et vous allez vous dire, oui, bon, elle a un pantalon noir et un haut blanc. Mais non, c'est pas ça. Concentration. Gros coup de cœur. Donc c'est une tenue entièrement C'est Mélodie. C'est un petit pull fin que vous connaissez, il est blanc avec un col. Vous connaissez ces pulls, mais pas ce modèle, hein. C'est un nouveau modèle. Vous avez un col en broderie anglaise. Non mais regardez ça. Regardez ce détail, c'est-à-dire que c'est vraiment inclus. Alors là, j'ai un débardeur en dessous parce que avec mon soutien-gorge fluché, je trouvais que c'était ça se voyait. Donc j'ai préféré mettre un petit débardeur en dessous d'ailleurs que je mets aujourd'hui en réassort. Vous les connaissez, c'est les blancs avec la dentelle, mais je vous en parle après. Donc, ce petit pull fin va d'un 46 jusqu'à un 52. On a de la place, on n'est pas serré. Et vous avez un col qui fait toute la différence. Regardez-moi ce col en broderie anglaise qui va sur le devant. Il est magnifique, il est sublime, il est trop trop beau pour mettre en dessous d'un petit gilet ou quoi, c'est trop canon. Ça vous fait un de ces décolletés, parce qu'en fait c'est pas décolleté, mais ça vous fait un tour de cou, enfin vous voyez comme c'est beau, c'est magnifique. Et ce pantalon, alors je suis embêtée parce que j'ai l'impression que vous voyez pas bien, j'arrête pas de nettoyer ce miroir, mais il accroche tout. Mais c'est un nouveau pantalon, mais coup de cœur, mais gros coup de cœur. Alors il est noté lui que ça va jusqu'à un 52, mais alors mon 54-56 n'a eu aucun souci à rentrer dedans. Il est hyper élastique, mais vraiment très élastique, on est trop bien dedans. C'est un pantalon avec une ceinture qui est inclus, qui va de là, voilà. Vous avez un bouton et une braguette. Vous avez le devant, c'est une ceinture comme ça, je ne l'ai même pas ouverte, hein. J'ai pu rentrer dedans sans ouvrir la ceinture. Et en fait, lui, il l'a fait comme ça, c'est-à-dire vous la laissez pendouiller, ça donne un style. Et pour celles qui préfèrent, vous pouvez en fait rentrer la petite ceinture. Alors, vous n'allez pas trop voir parce que c'est noir, mais je l'ai en beige, donc je vous montrerai après le beige. Et vous avez deux fausses poches sur le devant. Il est d'une matière, je vous explique même pas. Parfait, alors il tient chaud, hein. Donc pour l'automne-hiver, c'est trop bien. Et en même temps, ça fait comme un petit leggings, dans le sens où c'est très élastique, c'est vraiment... mais hyper agréable à porter, il est assez long, vous voyez là moi il est retroussé, il est canon, c'est une merveille, vraiment ce pantalon. Du coup je dirais qu'il va jusqu'à 54-56 parce que moi c'est bon, vous voyez, donc voilà, je mettrais peut-être 52-54 pour vous être sûr, mais celui-ci c'est le mien, je ne le quitterai pas, il est trop beau, il est trop beau. Bon, mais vraiment, je sais pas si vous allez avoir vraiment tout le détail, je vais vous le montrer en beige parce qu'il est vraiment canon. Et en dessous du coup, vu que c'était un peu transparent au niveau de mon soutien-gorge fuchsia, j'ai mis le débardeur blanc dentelle, vous savez, celui que tout le monde m'a demandé en réassort. J'ai mis le débardeur blanc dentelle que tout le monde m'a demandé en réassort, qui n'est pas du tout repassé, on est d'accord. Vous m'avez tous demandé en réassort, donc je vous ai repris du blanc et du noir. Et c'est vrai que pour mettre comme ça sur... sous une tenue, c'est vraiment joli. Je vous remets également ce petit haut que vous m'avez été nombreuses pareil à me demander, donc j'en ai refait en réassort que je vous mets en ligne aujourd'hui. C'est des petits hauts que moi perso je me suis gardé parce que il est trop beau. Il met en plus en avantage la silhouette et regardez avec ce pantalon qui je trouve clairement affine. Mais complètement, je suis dingue de ce pantalon. Ça, c'est la tenue de rentrée parfaite, mais vraiment. Le pantalon comme ça, il est sublime. Une petite chemise, alors pas ce haut-là. Je pense que ça va quand même avec. Je vous montrerai avec un petit gilet, c'est trop beau. Je le kiffe. Bref, donc ce pantalon, je vous le montre en marron, comme ça vous voyez bien la coupe. Parce que c'est vrai que le noir, c'est compliqué à voir. Mais il est trop beau. Vous voyez bien, il est canon. Vous avez du coup une ceinture sur le devant, vous avez deux petites poches, un bouton avec une fermeture éclair
Il a une coupe. Non mais regardez-moi cette coupe magnifique. Et ce qui est très très bien pensé, c'est le derrière. Donc c'est un pantalon taille haute. Regardez le dos comme il est canon. Alors si vous faites une plus petite taille, hein, 46-48, je crois que c'est bon. Je vérifierai ces fiches. Mais il me semble que c'est bon. C'est juste que ça vous fera un pantalon droit taille haute, assez large. Et c'est très très joli. Mais vous voyez, jusqu'à un 54-56, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, il a une taille, une ceinture qui est très élastiquée. Et la forme, enfin tout est vraiment pensé pour les rondes. Et je le trouve mais tellement beau. Il est vraiment trop beau. Et la matière, si vous pouviez toucher, vous vous rendrez compte que vraiment, il est... voilà. Bref, vous avez compris, c'est un coup de cœur. J'ai flashé. J'ai flashé sur ce modèle. Et en plus, je vous ai trouvé des tenues pour faire des looks de rentrée, mais tellement beaux. Ce petit pantalon-là, ou le noir avec des petites chemises léopard et tout. Oh là là. Vous allez être trop, trop... Je voulais vous montrer donc les gilets. Je vous les ai pris en pleine cul. Plein de couleurs. Celui-ci, c'est un, j'irais du coup pas blanc. De base, il est blanc, mais j'irais du plutôt écru quand on voit le haut en comparaison. Donc, c'est un gilet plutôt écru avec la petite étoile toujours dans le dos, qui sont très confortables, tout doux. Mais vraiment, je sais que toutes celles qui ont pris le modèle l'année dernière, ils avaient à peu près le même avec une autre étoile dans le dos, avaient adoré la qualité et la douceur de ce gilet. Et du coup, là, quand j'ai vu avec l'étoile un peu en relief, j'ai trouvé ça trop trop beau. Donc j'ai voulu vraiment vous les prendre en plein de couleurs pour vos tenues, pour mettre sur vos petites chemises, etc. C'est trop beau. Et puis même là, pour les soirées d'été, vous êtes trop bien quoi. Il n'y a pas de laine, il me semble pas, hein. C'est vraiment des petites matières faciles, toutes douces à porter. Vous n'avez pas, pour les allergiques, il n'y a pas de souci. Bon, que je vous montre le gilet en bleu roi. C'est vrai que moi je les reçois comme ça, remontées, les manches remontées. Et je crois que c'est extrêmement à la mode pareil. C'est très joli. Et donc là je voulais vous montrer que sur une tenue toute noire, vous mettez un gilet de couleur en fait et ça change tout. C'est très 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 beau. En dessous je porte un nouveau modèle de débardeur qui sera donc en ligne. Une taille unique. Mon miroir, j'arrive pas. J'arrive pas à faire mieux. Donc... En dessous, je porte un nouveau modèle de débardeur. Je crois que je les ai fait l'année dernière. C'est les rouleaux, en fait, avec la dentelle sur le devant, sur les bretelles. Et vous avez de la dentelle sur le bas. Donc, je vous les ai pris en noir et en blanc. C'est les classiques qui vont clairement avec tout. Vous voyez là, sous mon petit gilet bleu roi, avec le petit pantalon noir. Coup de cœur, il est trop beau. Je me demande si je vais pas le surnommer le pantalon Farah, comme ça on saura de quoi on parle. Même si j'en ai vraiment beaucoup des coups de cœur, le jean, je le porte tout le temps. Mais là, celui-ci, vraiment, je le kiffe. Je le kiffe. Bref, du coup, il est trop beau ce petit débardeur. Vous avez la dentelle sur le devant, la dentelle aux épaules. Et avec le bleu roi, ma mamie, c'est trop canon, j'adore. Trop beau. Vous auriez pu mettre aussi un... débardeur blanc, parce que le blanc et le bleu roi, c'est très joli aussi. Donc ça, c'est les gilets avec l'étoile dans le dos. Et donc voilà le débardeur sans le gilet bleu pour que vous puissiez le voir de près. Donc vous avez de la dentelle tout là, c'est trop trop beau. Bon, moi il moule mon 54-56 du bas, hein, mais ça va quand même jusqu'à un 52-54 parce qu'il est là, très très extensible. Après, c'est le genre de petit débardeur que vous pouvez porter sous vos pulls, hein, la petite, voyez la petite dentelle sur le bas. Ça vous donne une épaisseur aussi en plus sous un pull. Vraiment, c'est très très beau. Voilà, en hiver, quand on a froid, ça vous fait une double épaisseur. C'est comme les débardeurs que je vous ai montrés, que je suis en train de vous mettre en réassort, les débardeurs noirs et blancs avec les bretelles réglables. Sauf que là, c'est un peu plus épais au niveau de là. Donc c'est bien d'avoir les deux. Enfin, moi j'aime bien avoir les deux modèles parce que selon la tenue que je porte, je trouve que voilà. Et il est très très beau, très confort. Et donc avec le gilet fuchsia, donc forcément j'ai ressorti mes petites boucles d'oreilles fuchsia. C'est trop joli. Je vous ai montré avec une manche enlevée et une manche remontée parce que c'est très très beau. Moi j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, une tenue toute classique, toute simple. Un petit gilet de couleur, une petite paire de boucles d'oreilles de couleur. Moi j'adore faire ça. J'adore, ça rappelle bien l'esprit. Ça fait, j'adore. Et ils sont hyper confortables. Ces petits débardeurs aussi. Ces petits gilets sont tout doux. Prête pour aller travailler. Là, je porte le gilet donc sur un pantalon noir, mon pantalon coup de cœur. Mais bien évidemment, sur un... Ça fait joli aussi remonter comme ça, on voit le détail là.
Très beau. Mais aussi sur un. Zut, sur le simili-cuir, clairement. Voilà quoi. Ça fera canon. Très très beau. Mais aussi sur un jean. Enfin voilà, il faut pas. Je trouve que les couleurs peps comme ça, ça met bien en valeur en fait. Je sais que vous n'êtes pas toutes accro. Alors vous êtes aussi. J'ai en fait des clientes qui adorent mettre du fuchsia, qui trouvent ça très peps. Et j'ai des plus classiques. Moi je suis un peu des deux de toute façon. Je suis un mélange vraiment des deux. J'aime un peu tous les styles. Et j'avoue que mettre un peu de fuchsia comme ça, moi j'adore. Surtout là, comme ça, dans ces périodes-là, je trouve ça très beau. Ensuite, une chemise, alors elle est merveilleuse, mais elle est vraiment petite pour moi. Enfin, vraiment petite, non. Elle est juste pour moi, disons. C'est une chemise, pareil, de chez C-Melody, donc vous savez que j'adore. C'est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la mode cette année, c'est l'animal. Et donc là, c'est un esprit, alors je sais jamais bien si c'est léopard ou panthère. Noir, dans les tons noirs, donc qui se met avec tout, donc le pantalon noir c'est parfait, mais un jean ça ira très bien aussi. C'est des manches bouffantes, les manches sont longues, vous avez vu, hop, vous pouvez aussi les resserrer, et c'est des manches bouffantes, vous n'êtes pas serré, ni dans la largeur, ni là. Alors moi je suis serrée à ce niveau là, donc c'est vraiment mon bas, mon 54-56 qui le rend serré. Après si je le rentre dedans, ou si simplement vous voyez je le... Ah, vous pouvez aussi faire un petit nœud ou quoi, ce sera parfait. Mais elle est très très belle cette chemise, elle est très à la mode, hein, je pense que vous voyez. Et vous avez des détails, enfin, ils font des choses magnifiques. Regardez le détail des deux traits comme ça noirs. C'est de la viscose, parce que j'ai eu beaucoup aussi de demandes de clientes qui voulaient des chemises léopard, pas oversize, donc les tailles plus petites. Et j'ai pas réussi à vous les trouver, les chemises léopard ou les chemises classiques, pour l'instant en plus petit. En revanche, celle-ci, clairement... Alors c'est un peu large, mais c'est pas trop large. Vous voyez, vu qu'elle est courte pour moi, elle est un peu serrée pour moi. Pour vous, ce sera nickel. Hein. 46, 48, 50. Moi, je pense que le 52 irait, mais il faut pas une trop forte poitrine. C'est vraiment petit 52, mais jusqu'à un 50, ça irait. Et elle est trop belle. Comme d'hab, plus longue derrière que devant. Moi, ça, j'adore. Ça cache les fesses. Et bah puis voilà, hein, c'est très très tendance. De toute façon, le léopard, la panthère, tout ça, c'est très tendance. Vous avez un petit col, je sais pas si vous le voyez. Les petites manches resserrées. Et après, les canons. Et la tenue est canon. Ce pantalon, c'est canon. Mais sur le... Vous savez, les pantalons stretch printanier noir de chez C-Melody, c'est canon aussi. Sur le simili-cuir, bien évidemment, vous imaginez le look sublimissime. Ça, c'est le look de rentrée. On ne voit que ça. En ce moment, que du léopard. C'est redevenu, mais vraiment tendance. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. On va pas se mentir, c'est très très joli. Ensuite, une chemise oversize tête de mort et tête de buffle. Alors, je pense que celle-ci, elle va vous faire plaisir. Parce que pareil, vous avez été quand même hyper nombreuses à me redemander un réassort sur les chemises oversize tête de mort, donc qui vont du 50, 52 jusqu'au 56, 58. Malheureusement, j'ai pas réussi à les ravoir, mais c'est clairement dans le même état d'esprit, voyez. Donc, fond noir, tête de mort, tête de buffle, et vous avez en fait des fleurs, comme ça, des espèces de petites couronnes de fleurs sur les têtes de mort, c'est trop joli. Et je le porte toujours avec mon magnifique pantalon, mais vous pouvez également le porter avec, je crois que la dernière fois, je portais ça avec le jean. Uni, ça casse un peu le look. C'est très très beau. Il est, bah, très très confortable, hein. Elle est large, vous pouvez le voir, vous la connaissez. C'est toutes les mêmes modèles. Quand je vous parle des chemises oversize, c'est vraiment les mêmes modèles. Elle est extrêmement large. Moi je rentre dans le pantalon, mais vous pouvez laisser aussi vraiment en mode large pour celles qui préfèrent. Elle est trop jolie. Fuchsia. Donc avec le gilet fuchsia, je pense qu'on peut tenir une tenue. Et donc sympa. Voilà, avec le gilet fuchsia. Vous voyez, c'est super joli. Donc pareil, vous pouvez la rentrer dans votre pantalon si vous le souhaitez, ou pas si vous n'avez pas envie. Et ça fait une tenue parfaite. Vous voyez, chignon relevé pour aller travailler. Trop beau. Moi, j'adore. Alors, je vous dis toujours pour aller travailler, mais pour aller au resto entre copines. Vous voyez, un petit repas même d'affaires ou quoi. Voilà. Moi, je sais que à une époque, quand j'étais salariée, j'aimais bien avoir des jolies tenues de travail. Alors à une époque, hein, pas vers la fin, mais quand j'étais vraiment bien dans mon boulot, j'aimais bien avoir des jolies petites tenues comme ça, belles et en même temps un peu peps quoi. Pas la chemise blanche toute simple, classique avec une veste de tailleur. J'aimais bien que ce soit un peu
peu faite. Ensuite, donc la chemise léopard que vous avez vue tout à l'heure dans les tons noirs. Et ben là, vous avez la classique dans les tons marron, quoi. Elle est très jolie, donc pareil, ça vient de chez C-Melody. Le petit col, les manches bien bouffantes. Et donc jusqu'à un 50-52. Donc vous voyez, mon 54-56 va être toujours un peu serré, mais mon haut en 50-52 va très bien. Donc jusqu'à un 50-52. Je la porte avec le petit pantalon noir, mais clairement avec le pantalon camel, ça pourrait être trop beau. Avec le petit simili-cuir, on se serait aussi au top du top. C'est vraiment le look magnifique. C'est trop joli. Et toujours donc dans les tons marrons, avec les deux traits un peu plus foncés là, elles sont vraiment originales, toutes douces. C'est de la viscose, hein. Donc c'est une très très bonne matière. Voilà. Pour aller travailler avec une petite, un petit gilet camel. J'ai un gilet camel, je vous montre ça tout de suite. J'essaye de vous montrer vraiment des looks, des tenues maintenant, quand je fais les nouveautés, pour que vous ayez vraiment la tenue complète, que vous puissiez vous en inspirer pour vos tenues, ou prendre la tenue complète aussi si vous voulez vraiment pas vous embêter et avoir la tenue. Donc je vais vous montrer avec le petit gilet camel. Et donc voilà ce que ça donne avec le petit gilet camel. Donc c'est le gilet camel avec l'étoile dans le dos en relief. Il est trop beau. De toute façon, le camel, le marron comme ça, je trouve que c'est très joli avec des tenues des fois un peu, vous voyez, un peu peps comme ça. Enfin un peu, c'est des pièces fortes. Les léopards, c'est une pièce forte. Un petit gilet camel assez simple, on va dire ça comme ça. Ça relève, vous voyez, le look est parfait. Moi je trouve que c'est une tenue parfaite là. Tout est synchronisé, c'est parfait, j'aime beaucoup. Et je suis dans ma période marron. J'aime le marron, j'aime le camel, j'aime le caramel. En ce moment, vraiment, c'est des couleurs qui me plaisent. Tout comme le blanc et le marine, tout comme le fuchsia. En fait, j'ai beaucoup de couleurs en ce moment qui me plaisent. Et je trouve que c'est plutôt cool, ça change, c'est chouette. Et elle irait aussi parfaitement avec celui-ci. C'est dans les mêmes tons, ce serait trop beau. Soit qu'avec cette tenue là, avec le gilet noir à la place du camel, ce serait magnifique. Du coup ça fait vraiment plusieurs styles. C'est bien je trouve quand vous avez comme ça une chemise qui peut aller avec deux pantalons différents. Voilà, ça vous fait plusieurs looks en fait. Vous allez pouvoir mixer, mettre cette chemise avec ce pantalon, cette chemise avec ce pantalon. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour mixer et c'est trop Ensuite, bien. Autre tenue. Donc là je porte les petits débardeurs que je vous ai montré tout à l'heure, dentelle là sur le devant, que je vous ai présenté en noir avec la dentelle sur le bas. Bon, ils moulent, hein. C'est vraiment des débardeurs qui moulent. Moi, mon 54-56, parce que ça ira pas au-delà du 52. Mais en même temps, qui vont pour un 54-56. Si vous êtes comme moi, à le mettre par exemple sous un pull ou un gilet ou autre, c'est pas du tout choquant. Voilà. Je vous fais également un réassort sur ce sautoir 4 rangs qui a été pareil. Hein. Vous l'adorez. Vous l'adorez. Donc j'essaie d'en faire dès que je peux des réassorts dès qu'ils en ont. Donc là ils en ont. Donc je vous fais un réassort aujourd'hui que je mets en ligne. Donc c'est le petit sautoir avec. C'est qu'un collier qui fait 4 rangs. La lune, vous avez un soleil. Enfin voilà. Ah oui, je vous mets également en ligne ce bracelet. Alors c'est pas le même que les dernières fois. Celui-ci, c'est pas avec un soleil. Ils en avaient plus. Donc c'était avec un petit coquillage. Mais vous voyez, ça se marie tout à fait. C'est vraiment dans les mêmes tons. Voilà. Ça, vous avez la tenue complète. Donc, je porte le petit débardeur blanc à mettre, voilà, les rouleaux blancs, le gilet camel, et du coup, j'adore faire le ton sur ton. Vous voyez comme ça fait. Donc, des couleurs marron, je trouve que c'est très beau. Donc là, je porte un nouveau pantalon. C'est de la marque Piment Rouge. C'est exactement donc le même que les jeans. En fait, c'est la même coupe que les jeans, mais pas, pas la même matière. Non, ça c'est vraiment un esprit velours, vous voyez, un peu velours brossé là, enfin vous voyez le style marron. Vous avez un galon brillant qui fait tout le côté de la jambe. Et ce pantalon existe en 3 tailles, et ça c'est trop cool. C'est comme les jeans, L, XL, XXL, donc je porte le XXL qui est le 54-56. Et il existe donc en L 46-48, XL 50-52 et XXL 54-56. Ça c'est un pantalon qui est 95% coton, je crois, et 5% d'élastane. Donc hyper agréable à porter. Et pour l'hiver, clairement, ce sera le top. Avec une petite paire de bottines. Alors là, je l'ai mis avec un gilet camel, un
au blanc, je trouve que ça rend très très bien. Mais j'imagine très bien le gilet écru avec les coups d'étoilés avec, ou le pull Ingrid, ou des pulls en laine blanc ou quoi. Le blanc et le marron, ça va très bien. Et de mélanger la matière un peu velours comme ça avec de la grosse laine, ça sera canon. Voilà. Et le derrière que je vous montre aussi, hop, il est comme ça, il n'y a pas de poche. Et il est très très confortable. Ensuite, un nouveau modèle de veste. Je vous ai dit que j'essayais d'en trouver des plus grandes que les vestes Destroy. Donc ça, c'est une veste de chez C-Melody. Je vais y arriver, voilà. C'est une veste de chez C-Melody en coton et élastane, mais clairement c'est du jean, hein. Ça fait vraiment une veste en jean. Une petite veste en jean noire. Elle va, selon lui, d'un 42 à un 48. Moi, je dirais plutôt d'un 44 à un 50. Parce que je trouve que je suis pas serrée du tout dedans, regardez. Je suis hyper bien dedans. L'emmanchure est basse, donc parfaite. Elle est un peu courte, c'est l'esprit, hein. C'est vraiment la mode de la veste un petit peu de jean, vous voyez, un peu courte comme ça. Et du coup, j'ai mis en dessous mon petit débardeur dentelle noire. Alors, il y a juste l'étiquette qui nous embête. De toute façon, hop, celui-ci c'est le mien, donc ça sert à rien de garder l'étiquette. Donc débardeur dentelle noire en dessous, comme ça sur le pantalon velours, esprit velours marron. Hop, je trouve que ça fait un rendu plutôt cool. Ici, vous pouvez mettre également un grand sautoir. On va tester. Donc voilà, j'ai mis avec un long sautoir. Je trouve que ça fait trop joli. Du coup, avec un jean, ça fera mieux parce que vous avez le sautoir qui est bleu canard. Ils sont encore dispo sur la boutique en bleu et en violet, les étoiles. C'est tout ce qui me reste, je crois. Du coup, ça ira plus, je pense. Par exemple, si vous mettez ce pantalon-là, je mettrai un sautoir plutôt marron pour rappeler un peu le look. Mais si vous vous arrêtez là, vraiment, je mettrai un jean en dessous. Ça ferait trop, trop beau. Et donc, la veste, c'est une veste avec... je perds mes cheveux. Et la veste, c'est donc une veste avec un petit col. Elle est noire. Là, j'ai retroussé les manches parce que quand je la reçois comme ça. Et je trouve effectivement que ça donne un style trop beau. C'est des petites vestes qui sont hyper pratiques, vous savez, pour porter sur les robes. Moi, j'adore ça, porter la petite veste comme ça sur les robes. Et ça fait vraiment un look trop beau. Sur un jean, c'est canon aussi. Enfin, vraiment, c'est des petites vestes. Puis bon, bah, c'est Melody. Donc, comme d'hab, la coupe est parfaite. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite... j'ai des nouveaux foulards à vous présenter, ils sont canons. Et franchement, pour terminer une tenue en plus en automne-hiver, c'est juste trop beau. C'est des foulards qui sont en viscose. C'est pour ça qu'ils ont une matière. Je pensais que c'était du coton. La matière est hyper agréable à porter. Et en fait, ils sont vraiment tout doux. Je les ai en trois couleurs. Et en fait, vous avez donc 80% de viscose, 15% de nylon. Et ça doit être les fils du coup, 15% PBT. Ouais, ils sont trop agréables à porter. C'est des foulards qui sont du coup pas du tout allergiques, ça vous gratte pas. Et en fait, ils sont, hop, attendez, je vous montre. Ils sont avec de la dentelle. Je sais pas si vous voyez. Ils sont avec de la dentelle tout autour en fait. Vous avez vraiment une matière viscose avec de la dentelle tout le long. C'est trop beau. Vous voyez, donc je l'ai en plusieurs coloris. Là, je porte celui-ci qu'on appellera, je pense, marron. Ouais, marron chocolat. Vous voyez, donc avec en faisant avec la petite veste, comme ça, vous mettez n'importe quel coloris. Hein. Je l'ai en noir et je l'ai en beige. Je vais vous montrer, mais ils sont trop beaux. Et la longueur est parfaite. Même pour les petites soirées d'été, et sinon aussi apporter un esprit un peu châle, parce que vous allez voir. Voilà, vous avez vraiment de la matière, c'est vraiment grand. Donc pareil, un petit châle sur vos robes. L'été, là, comme ça, le soir, vous mettez ça sur vos robes. Alors, voilà, portez un peu esprit comme ça, un peu châle aussi. Du coup, c'est bien parce que ça peut vraiment vous être... vous êtes porté en plein de façons différentes. Esprit un petit peu comme ça, châle sur vos robes aussi, c'est trop beau. Le soir, quand vous avez un peu froid, c'est trop beau. Ou sur une veste, vous avez vu, j'ai ma petite veste. Vous êtes à un repas en ce moment, on fait pas mal de barbecue le soir, il fait frais. Quand le vent arrive ou quand le soleil se couche, du coup, bah, je peux vous dire que ça fait comme un petit plaid, vous êtes trop bien dedans. Ils sont canons, hein. De toute façon, ils sont canons. Je vous montre les autres couleurs. Moi j'ai craqué. Donc ensuite les mêmes foulards mais cette fois-ci en noir. Donc qui passe avec tout. J'ai mis mon jean. Je me suis dit que ça ferait quand même plus sympa avec ma petite veste noire et mon écharpe noire. Donc le jean uni qui est toujours dispo. Enfin qui est toujours dispo.
J'ai refait pas mal de réassorts pour que vous puissiez tous avoir le vôtre. Et donc c'est les petits foulards noirs avec pareil la petite dentelle tout autour, c'est trop joli, que vous pouvez également porter en... Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Un petit châle là sur les épaules, c'est top canon. Moi j'adore, je trouve qu'elles se tiennent en elles-mêmes, vous voyez. Elles sont trop beaux, trop belles. Elles sont trop jolies. Et ensuite la dernière c'est celle-ci, c'est la beige un peu claire. Elle est très belle, hein. Beige clair mais vous avez la dentelle un peu plus foncée et j'aime beaucoup le détail. C'est dommage, ça fait pas de focus sur la dentelle. J'espère que vous verrez. Bon, en tout cas, c'est trop trop beau. Et c'est tout doux. Un vrai doudou. Et pareil, en mettre un petit peu en châle, là, vu qu'ils sont très très grands. C'est parfait. Ou laisser ouvert aussi, c'est possible. Pour le pantalon velours, je voulais vous le montrer de près parce qu'on ne voyait pas très bien, je trouve, tout à l'heure. Donc voilà vraiment ce qu'il donne. La matière est comme ça. Et sur le côté, c'est le petit fil comme ça, tout brillant. C'est joli aussi avec du kaki. Ensuite, je porte le gilet kaki. Il fallait quand même que je vous présente cette merveille. Le kaki, c'est canon en hiver. En été aussi, mais c'est un kaki plus clair, je dirais, l'été. Là, c'est vraiment le petit kaki d'hiver. Porté avec du noir, je trouve que c'est très très beau. Je mets le sautoir 4 ans qui est de nouveau dispo sur la boutique. Et qui, comme vous pouvez voir, s'accorde vraiment avec toutes les tenues. Enfin, moi, je sais que j'adore le porter. Je trouve que ça habille le cou sur une tenue classique, toute simple, c'est très beau. Et mon petit jean qui est donc dispo du 46-48 au 54-56. Et j'ai que des retours positifs sur ces jeans. Donc le gilet kaki, c'est celui avec la petite étoile dans le dos en relief. Hein. Mais j'ai de nouveau, je ne vous les ai pas encore montrés, je vais vous le montrer, j'ai deux nouveaux gilets qui sont donc dans la même coupe. Donc pas de celui-ci, mais du noir que je vous ai fait le réassort, dont je vous ai fait le réassort aujourd'hui. Ensuite, donc je vous montre le gilet. Donc c'est le même que le gilet fluide noir que vous avez eu il y a quelques temps, que je vous mets en réassort aujourd'hui. Et cette fois-ci, il existe donc en... kaki, je sais que vous avez adoré sa douceur et sa fluidité. Et c'est vrai qu'il tombe extrêmement bien. Mais celui-ci est fin, il est vraiment très très fin comparé à celui à l'étoile, avec l'étoile qui est beaucoup plus épais. Celui-ci est beaucoup plus fin, mais tout aussi beau. J'aime bien le rendu. Je ne sais pas si on pourra voir la différence. Donc celui-ci, vous voyez comme il est fin. Et donc celui-ci... qui est une maille beaucoup plus épaisse. On s'en rend peut-être pas compte en vidéo. Si, je pense qu'on le voit quand même. Bon, je vous ai mis les deux à côté pour que vous puissiez voir aussi en termes de longueur, même si je fais la longueur, je vous la note. Voilà, celui-ci, donc celui de droite, plus fin et plus long, et le plus épais est un peu, pas énormément, mais un petit peu plus court. Mais lui, il a les détails qui font toute la différence. Non, mais les deux sont canons, hein, vraiment, les deux sont magnifiques. Allez, continuons. Je vais vous présenter le bleu jean. Donc le bleu jean, c'est lui. Et donc le bleu jean qui va donc extrêmement bien avec du jean, hein, clairement. C'est très très beau. Il est long celui-ci, hein, vous avez vu, il est vraiment très très long. Il est vraiment tout doux, habillé avec le petit sautoir. C'est trop trop beau. Ensuite, une autre tenue. Alors ça, c'est vraiment l'une de mes coups de cœur. Ensuite, une autre tenue coup de cœur, c'est celle-ci. Donc le jean uni, que vous avez compris, que vous connaissez. Avec un nouveau petit pull, il est trop canon. Il est oversize. Voilà. Et il est écrit « Oh là là ». En bleu qui rappelle donc le pantalon. Donc autant vous dire que cette tenue est juste sublimissime. Et c'est une matière je ne saurais comment vous la décrire. Voilà, c'est une matière un peu douce comme ça, donc marquée oh là là avec un cœur. Col V,
Elle est hyper agréable à porter. C'est des manches un peu comme ça, un peu larges. Vous savez que vous pouvez remonter. Au niveau de la longueur, on peut cacher les fesses si on en a envie. Voilà, il est vraiment top canon. Celui-ci, c'est une taille unique par contre. Du coup, 50, 52, 54, 48 en oversize. Et pour le 56, du coup, ça sera plus près du corps, quoi. Mon 54-56 du bas, ça va, mais il est peut-être un peu serré, donc ouais, je dirais 52-54 max. Et en oversize à partir du 48, mais je sais pas si vous aimez toute l'oversize, donc porter en oversize c'est à partir du 48. J'aime trop le rappel, moi j'adore de toute façon, combiner comme ça la couleur du haut, comme de l'écriture du haut avec le bas, je trouve ça trop beau. Voilà. Et pour celles qui n'aiment pas porter des jeans, ça arrive, celui-ci c'est vraiment du coton, hein. On n'a pas l'impression de porter un jean et il est très beau, il met très bien en valeur la silhouette. Et j'ai également fait un réassort des pantalons stretch printaniers marine que je vous mets en ligne aujourd'hui, parce que je pense que ça peut être sympa avec aussi, même si ça ne va pas être exactement la même couleur, vu que ça c'est plutôt du bleu jean, je pense que le marine peut aussi se marier avec. Voilà, il pourrait se marier avec. Ce sera pas totalement la même couleur, mais ce sera pas choquant. Donc le pantalon stretch printanier marine. Et je vous l'ai pris également aussi pour mettre avec les petits hauts, là, le haut que je vous ai montré tout à l'heure avec le volant sur le bas. Pour mettre également avec le gilet écru, avec l'étoile dans le dos, puisque le marine et le blanc, ça va trop bien ensemble. Vous le savez après. Ensuite, que je vous le dis. Une autre chemise. Alors clairement, c'est la tendance des chemises. C'est hyper classe là pour la rentrée. Celle-ci c'est une chemise oversize, voilà. C'est les mêmes coupes donc celles que je vous montre depuis le début en oversize, donc pas de chez Cmelody, hein. C'est vraiment celles-ci, les oversize, qui vont d'un 50-52 à un 56-58, qui sont très larges. J'ai rentré un peu dans le devant. Ah, je suis fatiguée. Je l'ai rentré un peu dans le pantalon. Mais si je le lâche, du coup, il est beaucoup plus large. Vous avez vu un petit peu le motif. Il est fond un peu beige camel avec des écritures marron. C'est très très joli. Portez ça avec un gilet noir. Donc, camel. Je disais, ce chemisier porté avec le gilet camel, c'est trop joli. Regardez. Donc le gilet camel avec l'étoile dans le dos. La couleur se marie à la perfection. Sur un jean comme ça, c'est parfait. Ça, pour aller bosser, pour les plus sobres d'entre nous, ça va vous plaire parce que c'est pas trop tape à l'œil. C'est discret. C'est très très beau. Vraiment, en plus, elle est très très jolie. C'est pas un imprimé classique, vous voyez. C'est quand même recherché. Ça fait un peu esprit, je trouve, bandana. Qui est donc très tendance. Et le gilet avec l'étoile en relief comme ça, mais c'est trop beau. On a compris que la tendance cette année, c'était les têtes de mort et les étoiles. Ça, c'est bon. On l'a tous compris. Et le léopard, le panthère, le simili, pareil, hein, le simili est là, je pense qu'il pourrait aller parfaitement avec, enfin voilà, il y a plein de combos possibles, j'ai trop d'inspiration en ce moment sur les chemises, gilets, pantalons, les colliers, enfin je suis à fond, les boucles d'oreilles de couleur, voilà, j'ai hâte, d'un côté, non, j'ai pas hâte, je veux que l'été continue, je veux qu'on puisse profiter encore du soleil, mais en même temps, quand il fera plus frais, ben moi j'ai hâte de porter ces jolies petites pièces parce que je les trouve hyper canon, très originales. C'est pas des pièces que vous voyez partout, enfin franchement les combinaisons en plus sont trop belles. Ensuite, une autre pièce, une autre chemise de chez Cmelody. Donc celle-ci, ce sera pour les plus petites tailles, enfin plus petites tailles, non, hein, d'un 46 jusqu'à un 50-52 sans souci. C'est un peu les mêmes coupes que les léopards et panthères. Les enfants sont excités. Donc c'est exactement la même coupe que la panthère et la léopard, vous voyez les manches sont fluides, assez longues, mais vous pouvez les retrousser si vous le souhaitez, sinon comme ça, c'est très beau, c'est bouffant en fait, c'est magnifique. La coupe est parfaite, hein, pour un 46, 48, 50, petit 52. Là je la porte avec le jean, mais clairement je pense qu'avec le... Alors, plusieurs possibilités. Le simili cuir, voilà. La chemise est vraiment très chic, hein, très classe. Elle est beige avec des chaînes en fait. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez la mettre donc avec le simili cuir ou porter bien évidemment avec celui-ci. Ça serait magnifique aussi. C'est trop beau. Mais pareil avec celui-ci en noir, ça irait parfaitement. Mais là, vous voyez comme c'est un peu les mêmes tons, ça ferait un ensemble vraiment très très beau. Le pantalon est tellement confortable que vous serez chic et confort. Et ça, moi, c'est hyper important pour moi.
le confort. Et enfin, donc, la dernière pièce que j'ai à vous présenter, c'est ce pull fin avec, donc comme je vous ai présenté tout à l'heure, en blanc. Mais cette fois-ci, c'est du taupe beige. Alors, je m'écrirai un petit coup de repassage pour le remettre droit. Avec le col en broderie anglaise. C'est trop canon. Là, pareil, je le porte sur le jean, ça va. Mais je pense qu'avec quelque chose de plus... plus dans les tons marrons, ça pourrait être très très joli aussi. Ou dans les tons noirs, ça pourrait être très très beau aussi. Donc c'est des petits pulls fins qui vont jusqu'à un 52. Bon, 54 est un peu moulé sur le bas. Mais sur le haut, le 52, c'est parfait. Et pour l'hiver, avec un gilet par-dessus, ça serait magnifique. Puis j'aime trop, on dirait qu'on a mis un petit débardeur avec un petit col en dessous. C'est trop beau. Ils sont vraiment top, hein. Ils sont de la même coupe, vous savez, que ceux avec les petits cœurs aussi que vous avez beaucoup aimé. Mais cette fois-ci donc avec le col en broderie anglaise. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment des belles pépites cette semaine. Je trouve que ça sentait vraiment la rentrée avec les petits chemisiers. Alors déjà la dernière fois, mais là encore j'ai refait plein de petits chemisiers parce que je trouve clairement que pour la rentrée ce sera top. Petits chemisiers, petits gilets et surtout les petits foulards comme ça dès que vous avez un peu froid. Les pantalons, je suis en train de les voir, c'est des merveilles, des nouveaux pantalons comme ça. Mais profitez-en parce qu'ils sont canons. Voilà, j'ai plein de coups de cœur. Voilà, vous pouvez retrouver donc toute cette pépite sur ladyandmamyshop.com. Vous pouvez me contacter par mail sur ladyandmamy@laposte.net, sur Instagram, sur Facebook, YouTube. J'ai beaucoup de mal à répondre parce que comme il y a beaucoup de commentaires, en fait les commentaires se perdent les uns dans les autres et je ne sais plus où se retrouve le commentaire. Donc voilà, tous ces habits donc sont sélectionnés et mis en ligne sur ma boutique, ça je vous l'ai dit. Une vidéo sort tous les dimanches à 6h, vous pouvez payer par PayPal, carte bancaire ou virement. Il faut me contacter d'abord pour que je puisse mettre les articles hors ligne, vous dire qu'ils sont bien dispo et vous donner le montant pour faire le virement et mon RIB. Et voilà, je crois que c'est tout. Je ne sais plus, j'ai été interrompue plein de fois par les petits là, donc c'est un peu décousu. Je vous fais plein de gros bisous en tout cas et je vous dis à bientôt. Bye!